Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser une bombe. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je vais tout d'abord vous présenter mes raccourcis clavier et également la donne que l'on va utiliser pour réaliser notre personnage. Alors, on va commencer par aller dans Edit, dans Préférences et sur Add-on, vous allez rechercher ici celui-ci, Loop Tools. Vous allez cocher cette case ici et ça va automatiquement activer l'addon. On va également s'intéresser au niveau des keymaps. Et ici, vous allez normalement mettre Blender 27X pour ceux qui veulent travailler avec les mêmes raccourcis clavier que moi. Et là, comme ça va être plus facile de suivre la vidéo. Ceci étant dit, on va refermer ça et on va commencer le tutoriel. On va supprimer la caméra et le light. Parce qu'ils ne vont pas nous servir dans un premier temps, on va les supprimer avec un X, delete. Alors, notre cube de base, lui, on va le laisser parce que c'est avec lui que l'on va modéliser notre personnage. Il va nous servir de base pour faire le corps. Donc, sur ce cube, on va commencer par ajouter le modifier subdivision de surface. En bas, add modifier, subdivision de surface, on va mettre le level viewport à croix. Et ensuite, on va appliquer ici. Ici, apply. Là, vous voyez que notre cube est devenu en quelque sorte une sphère. Mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait une sphère. Si on compare ce cube à une vraie sphère ici, si je vais déplacer celle-ci, vous voyez que déjà en termes de forme, c'est pas tout à fait la même chose. La sphère que je viens d'importer est beaucoup plus sphérique. On va dire que le cube qu'on a subdivisé. Vous voyez quand même qu'il y a la différence entre les deux. Raison pour laquelle sur ce cube, je vais ajouter le modifier cast. Afin de faire en sorte qu'il devienne plus une sphère qu'un cube subdivisé. Ok. Je vais appliquer ce cast. Et cette sphère, cette UV sphère, je vais la supprimer. Ok, super. Donc là maintenant on a notre début de bombe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en Edit Mode avec une tab et ensuite on va aller sur la vue de profil avec une croix. On va sélectionner ce vertice ici, alors celui-ci, peu importe, et on va faire un CTRL plus comme ça. On part sur la vue de face pour regarder à quoi ça ressemble et on va plutôt sélectionner celui-ci. Et on va faire CTRL plus plusieurs fois afin de sélectionner ses frères. Le but est que ça soit près de l'axe vertical. C'est tout à fait ça que l'on voulait. On va faire un X, delete face. Ok, super. Donc là, maintenant, on va faire un Alt, clic droit afin de sélectionner la boucle de vertices qui se trouve ici. On va faire un W. Et là, maintenant, on va utiliser l'addon que l'on a activé au début de la vidéo, Loop Tools. On vient dessus et on clique sur Cycle. Ça nous crée un cercle. Super. On va continuer. On va à présent supprimer une partie des vertices de notre objet afin de créer de la symétrie. Pour faire ça, on part en wireframe. On sélectionne un vertice du côté gauche et on va supprimer avec un bord select. Du coup, on fait un bord select. On fait un X, delete, vertice. On retourne en objet mode avec un tab. On revient en solide avec un wireframe. Avec un Z, et ensuite on va aller dans Add, et ensuite on va ajouter le modifier Mirror. On va cliquer sur Clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Parce que là actuellement, si je pars en Edit Mode et que j'essaye de déplacer ce vertice par exemple, vous voyez que là il ne se déplace pas parce qu'il est fusionné avec celui de l'autre côté. Si je désactive cette option, vous allez voir qu'ici je vais pouvoir à présent déplacer comme ça. Donc on va remettre ici à Clipping et on va le fusionner. Super. Donc là maintenant, on va pouvoir extruder les jambes de notre personnage avec un E. On annule le déplacement et on se déplace comme ça sur l'axe des Z. On fait une rotation, on fait un scale et on fait encore un EZ. On fait un SZ pour scaler sur l'axe des Z. On déplace un peu vers le haut et on agrandit un peu ici. Donc déjà, à cette base-là, on peut également
déplacer un tout petit peu comme ça sur l'axe des X. Donc on fait un C pour sélectionner et on déplace sur l'axe des X. On déplace un peu comme ça en bas. On fait encore un wireframe, on fait un C, on déplace un tout petit peu. C'est pas vraiment mauvais si au niveau de la base c'est pas en forme de cercle. Mais le plus important c'est que là à la fin ce soit beaucoup plus arrondi. Donc là j'ai fait un C et je déplace un tout petit peu. Ok. Donc là on va encore faire une extrusion avec un E, ensuite Z. On va un peu scaler. Ok, super. Donc là, on va ajouter des edges de maintien. Comme ça. On va un tout petit peu scaler comme ceci. Ici, on va faire un alt clic droit. On va faire un S. On va faire un R. Et on va faire encore une extrusion ici. On extrude. On scale vers l'intérieur. Et on descend un peu. Question de faire quelque chose de beaucoup plus arrondi ici à la fin. On extrude encore avec E, on déplace et on scale. On déplace un peu vers le haut, on fait un EZ. On fait un wireframe pour voir à travers les faces. Et là, comme ça, on va pouvoir extruder vers l'intérieur tranquillement et facilement. On va s'arrêter ici parce que c'est pas forcément nécessaire de continuer puisque ça ne sera pas visible. On repart en objet mode et on va ajouter le modifier subdivision de surface pour laisser un peu ça. Mais là, pas forcément pour un début, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est juste moi qui veux l'ajouter. Désolé. Donc ici, on va scaler quand même un peu ça. On va ajouter la subdivision de surface. Ici, on laisse à 1 et on fait un W. Smooth vertices pour lisser tout ça. Ok, génial. Avec l'envie de profil, ça a quand même encore la forme du sphère. On va aller sur la vue de dessus avec un 7. On va sélectionner notre perso. On part en edit mode avec un tab. Et on va maintenant faire contrôle tab pour aller en mode de sélection de face. On va supprimer les faces qui se retrouvent ici en haut. Les croix ici. On va faire un X, delete face. On fait un contrôle tab pour aller en mode de sélection de vertices et on va sélectionner les vertices qui se retrouvent autour ici. Donc pour cela, on va faire un alt clic droit. On fait un W dans le menu de loop tools et on va sélectionner ici cycle. Comme ça, là en haut, on a une forme de cercle et on va pouvoir extruder avec un E, Z. On fait un EZ une fois. On déplace un tout petit peu vers le bas. Scaler un peu. On fait un EZ. On fait un SZ également. Pour que ce soit. On va dire quoi, plat. On fait encore un EZ. On extrude. On déplace un tout petit peu vers le haut, on scale. Et il est important ici, lorsque l'on scale, il faut également déplacer comme ça sur l'axe des X. On recommence encore, on scale. On extrude, je veux dire, on scale et on déplace comme ça sur l'axe des X. C'est super important. Le truc, c'est que si on scale comme ça de manière générale, vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc, il faut déplacer comme ça. Comme ça, là maintenant, c'est beaucoup plus ordonné. Encore une fois, on fait ça, on déplace. Et niveau ici, pour fusionner tout cela de manière propre, on va sélectionner juste ceux-ci qui sont autour. On va faire E pour extruder et on va les déplacer sur l'axe des X. Comme ça, ils fusionnent, c'est super. Et là, maintenant, on va coller deux à deux ici. Avec un Shift maintenu, on sélectionne un. On sélectionne l'autre, on fait un M et on les fusionne avec un Add Center. On fait de même ici, Shift est maintenu, M, Add Center. Ok. Tab pour revenir en objet mode. Et voici ce que l'on a pour un début.
Alors déjà ici, on peut également extruder pour les ramener à l'intérieur. Donc pour faire ça ici, je vous propose de faire un CTRL R comme ça. Et là, on va sélectionner ces vertices avec un Alt clic droit et également ceux qui sont ici. Alors on peut juste faire un C pour les sélectionner beaucoup plus rapidement. On va faire un CTRL plus pour aller arriver au moins jusque là. Et on va faire un E pour extruder et on va déplacer comme ça. On va encore extruder. On va déplacer vers l'intérieur. On extrude. On déplace. On extrude. On déplace. On extrude encore une fois. Et on déplace un tout petit peu. Ok, super. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à cet endroit ici. Donc là, on va faire un C pour la sélection multiple. On va également sélectionner ceux qui sont autour. Tour et on va recommencer comme on l'a fait ici en haut. Donc en gros on va faire un E pour extruder, on annule le déplacement et on fait un GZ, on fait un E, un GZ, et on fait encore un E et un GZ. Donc là je pense qu'on peut laisser ainsi et au pire on peut juste ajouter des edges de maintien ici autour avec des CTRL R comme ceci et également un CTRL R ici en haut et également pourquoi pas ici qui grid. Ok, donc déjà là on a la base du corps de notre personnage. Donc là maintenant on va passer à la création des yeux. Donc on va faire les yeux. Pour faire les yeux, on va aller de nouveau en Edit Mode et on va recocher ici afin de ne plus coller les vertices sur les faces, sur le maillage. On va faire un CTRL Tab pour aller en mode de sélection de face et on va sélectionner certains vertices ici, comme ça, afin de former les yeux du perso. Comme ça. Là, on va faire un X, Delete Faces. On a un creux comme ça. On va faire un CTRL Tab pour aller en mode de sélection de vertices et là on va faire un Alt clic droit. On va sélectionner cette loupe de vertices. On va faire un W et on va de nouveau utiliser nos Radon Loop Tools. Donc on part dans Loop Tools, Cycle. Génial. Vous voyez que là les vertices sont pas super super bien organisés. On peut corriger celui-là avec une rotation comme ça. Comme ça là c'est beaucoup mieux. Et on va faire un SZ pour scaler sur l'axe des Z. On va faire un déplacement comme ceci. On repart en objet mode. On déplace un tout petit peu sur cet axe. On déplace un tout petit peu vers le haut. On regarde pour s'assurer qu'on n'a pas commis d'erreur. Ok, c'est bon. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est extruder, scaler, déplacer un tout petit peu sur l'axe des Y, extruder encore, scaler, déplacer sur l'axe des Y. Et on va recommencer cette opération plusieurs fois afin de créer ses yeux. Comme ça. Donc là, on retourne en Digit Mode. Ici, on va faire un Alt clic droit. Tu vois que déjà là, on ne voit pas bien nos vertices. Mais si on part en wireframe, on va les voir facilement. Donc, si on part en wireframe avec un Z, on fait un Alt clic droit. On déplace un peu comme ça. On extrude. Et on déplace. Et on scale, pourquoi pas, vers l'intérieur. Génial, super. Alors, on peut également faire les yeux ici. Ici, là, on va faire un Alt clic droit. On va faire un Shift D. Alors, un Shift D. Comme ça, on va faire une copie de cette partie ici. On va extruder. On va scaler. On va extruder. Et on va scaler. Alors, sur cet objet que l'on vient de dupliquer, bien ce que l'on vient de créer, il y a un défaut dessus.
Parce que vous voyez que si on part en objet mode, il y a des cassures ici et ici. C'est parce qu'en général, lorsqu'on duplique des vertices d'un objet, il y a toujours un problème de calcul de normal. Raison pour laquelle, sur cet objet, déjà on va le séparer de celui-ci, parce que vous voyez que là, ils sont liés. Donc en Edit Mode, on va les séparer. On va sélectionner un vertice là. On va faire un L pour sélectionner tous les vertices qui sont liés à lui. On va faire un P et ensuite sélection. Comme ça, on va créer un objet à part à partir de la sélection. Donc, une fois que c'est fait, on va retourner en Edit Mode. On va faire un A pour sélectionner tous les vertices et on va faire un W. Donc, dans cette option ici, vous allez rechercher Recalculate Offset. Donc là, moi de base, j'avais déjà tapé cette recherche. On va la supprimer. On va retaper Recalculate et automatiquement Blender va vous montrer Recalculate Offset. Donc, on clique dessus et là maintenant, c'est bon. Super. Donc là maintenant, on va s'intéresser ici au niveau des yeux là, afin de les fusionner correctement à cet endroit ici. Donc là, on va extruder, on va scaler. Et là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit fusionner les vertices en un seul point, en faisant comme ça un M, ensuite Add Center, comme ça va toujours fonctionner. Ou alors, on peut également fusionner comme on a fusionné au-dessus de la tête du perso. C'est-à-dire que on peut désélectionner ici et là en haut avec un shift maintenu. Avec ceci, on peut faire un bridge edge loop. Alors, c'est une technique qui consiste à fusionner les vertices deux par deux. Donc, en gros, si on fait un bridge edge loop, ça va fusionner ça et ça, ça et ça, ça et ça, ça et ça. Et pour que ça fonctionne, il faudra déjà que là, en fait, des deux côtés, on ait le même nombre de vertices. Donc, pour faire un bridge edge loop, on va faire un CTRL-E. On va cliquer sur bridge edge loop. Vous voyez que là, ça fusionne deux à deux. Et comme ça, là, on va juste faire un CTRL-R. Fusionner ici comme ça. Shift est maintenu, M, Add Center. Shift est maintenu, on sélectionne les deux, M, Add Center. Comme ça, là, on n'aura pas forcément de vertices fusionnés en un point. Et là, on pourra faire des CTRL R si on veut ajouter des edge loop. Donc, dans Edit Mode, on va déplacer ça ici. On va extruder avec un E. En gros, on peut également faire une extrude générale. Donc, avec une extrusion comme ça, une autre extrusion comme ça, une autre extrusion comme ça. Génial. On va faire un slash. Et pour pouvoir mieux travailler sur notre objet. Donc là, on va faire un CTRL R pour arrondir les coins. Là, derrière, c'est pas forcément nécessaire. Et au niveau de la subdivision de la surface, on va mettre à 2 ici. On va faire un W, Smooth Vertices, on lisse tout ça. On fait un slash. Ok, on a les yeux de notre perso qui ont été créés. Super, bravo. Alors on va juste un peu scaler. Et on va continuer. Donc, on sélectionne le corps du perso, on part en Edit Mode. Là, on va essayer de faire slider, de faire glisser les edge loops là. Donc, on fait un CTRL E, edge slide.